ils ont particulièrement besoin des donneurs en ce moment, parce qu'à cause du Covid, les entreprises, les gens sont en télétravail, donc les grosses entreprises qui avaient l'habitude de faire des collectes, ou les lycées, ou les universités, libèrent les créneaux. On est sur un bassin d'entreprises et d'habitations, parce qu'entre les... Bon, il y a 1200 habitants, je crois, à Toussus aujourd'hui, mais il y a surtout un bassin d'entreprises assez important avec notre aérodrome, qui est à distance à pied de la salle du Plessis, enfin, c'est un petit village, hein. Donc là, on va pouvoir cibler aussi les entreprises qui n'ont pas nécessairement les moyens ou l'envie ou l'idée ou le temps d'organiser leurs propres collectes. Il y a beaucoup de jeunes sur la commune, donc j'aimerais bien sensibiliser particulièrement ce public, parce que je pense qu'une fois qu'on a donné, qu'on a vaincu la peur de la piqûre, ou voilà, qu'on a vaincu ces appréhensions, je pense qu'après, ça devient quelque chose de naturel.